Dans Esprit Bleu, on s'intéresse au double projet des sportifs de haut niveau. Elle fait du plongeon et suit des études de kiné, tout de suite, sur la route de Laura Marino. Sa spécialité, le plongeon de haut vol à 10 mètres. Vice-championne d'Europe, 9e aux mondiaux, qualifiée pour les Jeux de Rio. En parallèle de sa carrière sportive, Laura Marino est étudiante en école de kiné. Nous l'avons suivie dans son quotidien entre ses révisions pour ses examens et sa préparation olympique. Les entraînements sont durs, psychologiquement, physiquement, ils sont plus longs. Ça demande plus d'énergie, plus d'attention, plus de concentration. Ça fait de plus en plus mal. Et en dehors, il faut que je bosse, quoi. Il est 9h ce matin à l'INSEP. Pour Laura Marino, la journée commence à la piscine, mais sur un vélo. Mais surtout... Ça va ? Combien de temps ? 4 minutes. 4, 3, 2, 1. Allez, parti. Une séance de préparation physique généralisée pour cette ancienne gymnaste reconvertie au plongeon à l'âge de 15 ans, au programme travail cardio, gainage et renforcement musculaire. Souvent, on apprécie déjà de ne pas aller dans l'eau, en fait. Ça permet de relâcher un peu psychologiquement. Après, je ne pourrais pas dire que c'est un entraînement facile non plus, parce que c'est dur. Et souvent, on est beaucoup plus cramé musculairement, mais ça nous aide quand même et on le sent directement quand on plonge. Donc on sait que c'est pour notre bien, quoi. Après une heure d'effort, la séance se termine par une série de saltos, un exercice hors des bassins essentiel, la base du travail chez les plongeurs. On n'est pas loin du départ en compétition, donc on garde la même trame, mais par contre on diminue en nombre de répétitions et on est exigeant sur la vitesse, sur l'explosivité. Travaille avec tes bras là ça part derrière. Allez. Là on a à se concentrer que sur un salto, donc c'est moins dur. Ça permet de se concentrer uniquement sur le départ et donc de séparer en fait les éléments du plongeon et de le travailler avec beaucoup plus de précision. Parce que le plongeon c'est un sport de précision et parce que pour viser la perfection, chaque détail compte, quoi. Après la préparation physique, direction la piscine pour un entraînement technique sur le plongeoir à 1 mètre, loin de sa hauteur de prédilection. 1 mètre, ça fait moins peur. Je vais faire beaucoup moins de tours. Enfin, les difficultés sont moins élevées. Donc ça me permet de me reposer aussi mentalement. Groupé, carpé, un petit peu de groupé, carpé. En renversé, non. Genre, tu pousses aussi diabolique qu'avant. Et à mi-tour. Contrairement aux 10 mètres, à cette hauteur, pas de grosses difficultés, mais une grande exigence technique. Objectif du jour pour la vice-championne d'Europe, mettre l'accent sur les fondamentaux. Cet entraînement à 1 mètre est vraiment positionné stratégiquement dans la semaine. On va travailler sur les positions, travailler d'alignement, de sensations de rentrer dans l'eau, des sensations aussi un petit peu aériennes. C'est un peu englobé le fait de sortir de son activité principale. C'est agréable en fait de retomber sur une petite hauteur entre guillemets, parce que ça me permet de me rappeler aussi le plaisir que je prends à plonger. C'est des sensations qui sont complètement différentes et donc ça permet de varier le plaisir aussi. Et puis le danger est quand même bien moindre, donc comme je disais tout à l'heure, psychologiquement ça fait du bien. Des conditions optimales pour répéter ces gammes. Victime d'une décalcification au niveau de la cheville gauche fin 2015, la Lyonnaise doit mettre les bouchées doubles pour essayer de revenir à son meilleur niveau d'ici les Jeux Olympiques. Terminé. Ça allait plus vite que prévu. C'est quand même agréable les séances où tu t'attends à en chier parce que t'es pas en forme et puis finalement ça passe assez vite. C'est important pour moi de finir la journée sur une note agréable, on va dire. Lorsqu'elle n'est pas sur les plongeoires, Laura Marino est étudiante en deuxième année de kinésithérapie. Et à l'approche des partiels, la Lyonnaise profite de son temps de récupération à l'INSEP pour se plonger dans ses révisions. Donc là, en fait, je suis en période un peu d'examen, pré-examen, donc j'ai pas trop le choix. Il faut vraiment que je travaille et que je mette un gros coup parce que c'est une année olympique et les entraînements sont très exigeants. C'est pas forcément compatible avec les horaires de cours. En fait, aller en cours, ça voudrait dire rater des entraînements. Et donc, sur une année olympique, c'est pas vraiment possible. Et sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas le choix, donc faut que je travaille. Ça, c'est le paquet qu'il faut que j'apprenne. Et j'en suis à peu près là. Quelques jours plus tard, on retrouve la plongeuse à l'école de kiné de Saint-Maurice. Aujourd'hui, elle passe l'ultime examen qui doit lui permettre de valider sa deuxième année. Jour J. Ouais, jour J, ça y est. Un petit peu d'appréhension quand même parce que c'est un examen, donc on joue quand même quelque chose, mais pas de regret parce que j'ai travaillé tout ce que j'ai pu, donc on verra ce que ça donne. Et,
un peu comme en plongeon, quoi. C'est, j'ai assez travaillé, maintenant c'est le moment de... Il n'y a plus de place pour les regrets, c'est le moment de donner ce qu'on a préparé. C'est parti, on se revoit dans une heure. Hein. L'examen démarre, maintenant vous sortez s'il vous plaît, merci. Une heure plus tard, c'est la délivrance. Laura va désormais pouvoir se consacrer à 100% à sa préparation olympique. L'année est finie, là. Le cours ? Bah, j'espère. Parce que s'il y a des rattrapages, c'est pas fini. Je me sens vraiment soulagée parce que c'était quelque chose que j'appréhendais quand même. Et ça marque surtout la fin d'un cycle de travail intense, tant au niveau du plongeon que des cours. Il y a du soulagement et de la fierté parce que je suis contente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Quand elle ne se prépare pas à l'INSEP, Laura Marino s'entraîne plusieurs fois par semaine à la piscine de Montreuil, où elle peut plonger sur une plateforme à 10 mètres, sa spécialité. C'est vrai que quand on est ici, au bord de la plateforme, il y a un peu comme une bulle qui se crée, parce que déjà, on est haut, on est loin des personnes qui sont à proximité. On ne peut jamais être sûr que ça va bien se passer, parce qu'il y a beaucoup trop d'aléas. Il y a quelque chose qui va se passer dans notre tête, on va voir quelque chose de différent, on va glisser, on va... Des aléas, il y en a plein et on essaye de pas trop garder la liste en tête, mais oui, c'est dangereux. Après, nous, on aime cette notion de risque. Vice-championne d'Europe, 9e au championnat du monde et qualifiée pour les Jeux Olympiques, pour ses partenaires d'entraînement, la numéro 1 française est devenue à 22 ans un exemple à suivre. Pour moi, c'est un peu ces entrées à l'eau qui me font rêver, quoi. Elle rentre, il n'y a pas une éclaboussure, moi je suis à côté, je passe derrière. C'est comme une bombe, du coup je prends très au sérieux ce qu'elle me dit parce que j'ai vraiment envie de pouvoir être à son niveau et voilà, être parmi les meilleurs. Prochaine échéance, les championnats d'Europe au mois de mai en guise de répétition générale avant les Jeux Olympiques. Le Brésil ou la Française compte bien effacer sa contre-performance du test event. En février dernier, elle était passée à côté de son concours. Mon objectif c'est pas d'être forte aujourd'hui, c'est d'être forte pour les championnats d'Europe et pour les Jeux Olympiques. À Rio, cette fois, j'ai pas envie d'y aller pour faire du tourisme. J'y suis allée une fois, j'ai fait ma contre-perf, j'ai fait mon tourisme, c'est bon. Maintenant, Rio, j'y retourne avec le couteau entre les dents et ça va pas rigoler.